Mes amis, cabouette la collé dans mes premiers ministres, Ariel Henry. PM de facto, par contre, si pour le monter, si pour le descendre, qui sait pour le relais. Après alliance, plusieurs partis politiques font contre pouvoir là dans le pays Jamaïque. M'a rappelé, il y a une déclaration conjointe que divers partis politiques signent entre eux, tant que Famille Lavalas et des Mopod, PHTK, plusieurs l'autre encore. Trois jours après que parti politique ça yo avec premier ministre Ariel sorti dans pays Jamaïque, eh bien Ariel voyé dans Nations Unies pour aller chercher renfort pour lui. Nous pral gagner pour nous partager information yo avec vous puisque gagner et ministre affaires étrangères Jean-Victor Généus à tout ministre planification Rika Pierre qui yo même yo bail appréhension yo sous dossier Haïti. N'a ba ou détail yo dans yon petit moment. Yon l'autre bord gagné ambassadeur français à Fabrice Moriès qui a annoncé une bonne nouvelle pour PNH. Côté gagné un corps de police français qui rele red qui débarqué là qui pral former plusieurs et qui pral former plusieurs unités dans la police qui pral former plusieurs agents pour yo ka faire face avec problème sécurité parce que qu'on bon bout de temps là n'a mandé renfort pour la police n'a mandé renfort n'a mandé meilleure formation pour policiers pour yo ka plainte bandi yo et bien et ambassade de France annoncé et bien là yo sous bonne route là avec PNH faut moi dit nous gagne un franc-maçon là qui fait gros expédition des premier ministre de facto Ariel Henry. Veve tracé, baleine limée, de l'eau jetée. Ou pral gagner pour une vidéo ça, parce que je senti le premier ministre qui est paniqué, parce que vidéo a son vidéo qui viral lié, et je pas quoi la faire rien bien. C'est toute information ça, on a gagné pour nous présenter, ou avec plusieurs autres encore qui étaient connectés. Si vous pouvez abonner avec la chaîne, je vous invite à abonner, activer la cloche de notification et comme ça, vous ne pouvez pas rater aucune vidéo n'a pas gagné pour nous poster. Jeudi à là, jeudi dimanche qui c'est 18 juin 2023, donc on est, c'est fête des pères. Et en Amérique du Nord, là, c'est fête des pères pour papa qui est États-Unis, Canada, yo, Mexique. Yo. Et tout garçon haïtien, bon garçon haïtien, nou, yo, bon papa, senti bon nou, yo, et bon papa qui pas peur, risquer la vie, brasser la vie, brasser la vie, pour porter qui choye dans kay, pour faire éducation ti moun yo, et mettre chapeau bas devant nous. Nous disons un grand merci. Continuer et faire travail là. Continuer et pour ton mitan famille. Continuer et sacrifier nous chaque jour pour l'éducation de Timounio. Et nous allons garantir nous fiers demain. Nous allons pas fiers demain. Nous tous ces papas, nous tous ces chéris. L'évident que et travail n'a fait dans famille, travail n'a fait pour petit mounyo pour madame nan, travail ça par rien qui ca récompense. Et pour zami k'ap di ma pa pa bay papa yo cadeau, pa fait fête pour papa, yo, ça viendra. Posez nous tout bagay ça va venir dans l'heure pour yo venir. Donc t'a profiter remercier yo et tout papa, tout bon papa yo, tout papa deux pieds pantalon pour ton mitan yo, garçon solide yo. Bonne fête, enjoy journée nous, amusez nous sans garder derrière qu'on est nous important pour famille. Bon, là nous pral rentrer et dans information yo parce que jodi an là et gagne plusieurs dossiers pour nous. Ouais, gagne ancien premier ministre Evans Paul qui parlait sur plusieurs dossiers sensibles, sur plusieurs dossiers importants. N'a gagne pour nous partager avec vous. N'a commencé émission jeudi avec un échange que m'te gagne hier avec contact et amis qui n'ont contact moi yo, amis qui n'ont broadcast moi yo. Et vraiment content que pile dans nous te réagi, nous interagi sous dossier hein, et sous dossier que nous te wè ensemble. Hier, m'te reprendre et dossier assassinat président Jovenel Moïse, voix ça qui t'a circulé et conversation que Dimitri Erard qui était chef USGPN te gagne avec président Jovenel Moïse côté que et conversation était enregistrée. Eh bien, hier, nous t'a fait une analyse ou certaine évaluation pour nous, et réaction moun yo, position moun yo par rapport avec et voye ça qui t'a circulé. Et m'a profité remercier zami yo qui t'a réagi, en pile moun t'a réagi, mais malheureusement, pas de répondre tout le monde, et c'est sûr que nous comprenons ça, nous connaissons. Depuis débat lancé, depuis évaluation li lancé, c'est avec plaisir pour me lire intervention et intervention nous. Qui ça, moi remarqué. Dans l'échange que les amis ont fait avec moi, les gens pour le président Jovenel Moïse étaient naïfs. Parce que, automatiquement,
Dimitri Erard, c'est lui-même. Et moun ki te besoin bay coup d'état, moun ki te besoin assassiner président Jovenel yo, c'est Dimitri Erard yo te contacté. Gen moun ki di automatiquement président li te doit prendre distance avec Dimitri Erard, faire arrêter Dimitri Erard, faire enquêter sur Dimitri Erard et à l'avenir pour connait véritablement niveau implication Dimitri Erard ou bien motivation par rapport avec moun sa yo ki te prend contact avec Dimitri Erard qui te gen objectif pour bay président Jovenel Moïse coup d'état. Il y a l'autre groupe moun qui font approche et vraiment mou rejoignent yon approche. Qui ça yon dit? Yon pose question pour qui ça se kounye à nan moment là. Pendant que gen l'autre moun que juge instruction qui sous dossier Walter Wessé-Voltaire a auditionné, a tendé nan dossier assassinat président Jovenel Moïse, pour qui ça se kounye à voye ça, li pran la rue. Gen moun ki tout pour qui ça? Et est-ce que c'est orientation y a bail avec dossier surtout le c'est parti voice côté que Dimitri rap cité non catégorie de monde. Est-ce que moun sa yo directement yo gen pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse qui aboutit ça 7 juillet 2021 ou bien c'est seulement pour yo ka orienter pour yo ka élargir dossier élargir instruction enquête là. Moi, véritablement, dossier assassinat président Jovenel Moïse, son dossier, on voulait chaque haïtien rester focus. Pas bon question, t'es aimé président Jovenel Moïse ou pas aimé président Jovenel Moïse. Son dossier qui concernait la patrie, son dossier qui concernait Haïti, c'est président pays nous l'a assassiné, c'est quand tu tiens président pays, il l'a assassiné, il a rentré la caille, il a tout yel. Donc, faut que nous connaissions de quoi il s'agit, de quoi il en est. Moi personnellement, c'est chaque jour m'a essayé poser problème yo, garder qui ça nous ka joindre comme un minimum de solution, perspective de solution par rapport avec complot nèg yo fait pour tuer président Jovenel Moïse. Et moi à chaque fois, m'vini avec dossier ça sous tapis, toujours joindre des attaques après des séries de monde qui après le Jovenelis, des séries de monde qui a dû prendre l'argent dans mes Jovenelis, dans mes familles présidents, pour qu'un bon dossier Jovenel, Jovenel, Jovenel. Ça, c'est des opposants, même dans la mort président, ils ont toujours raï président. C'est des gens qui ont fait raï Jovenel Moïse pour une raison ou pour l'autre, même après ils ont fini assassiné là, même cadavre là, même dépouille là, même mémoire président, ils n'ont pas dansé collé avec lui, ils n'ont pas dansé serré avec lui parce que Jovenel a été l'homme à abattre, ils ont fini tout Jovenel Moïse, même justice pour Jovenel Moïse, yon pa vle tande sa. Moi même qui ça voulait nous comprendre. Question assassinat président Jovenel Moïse, c'est une question de souveraineté lié. C'est souveraineté pays nous qui prend baf, c'est souveraineté Haïti qui prend calotte, c'est pays yon passé en bas pied, c'est pays yon souillé, yon parle de assassinat au président. C'est pas une question de on sait moun, de pour parler de assassinat président Jovenel Moïse, gen moun ki dou, ok, et massacre la Saline, gen moun ki dou, et journaliste yon tué, et avocat yon tué, médecin yon tué, moun yon kidnappé, etc. Oui. Oui. Pas gen aucun monde qui méritait pour bandi a touye yo pour assassinat fait sou yo. Pas gen aucun monde qui méritait pour y a mouri dans des conditions non élucidées. Pas gen aucun monde qui méritait pour y a mouri a assassiné yo et puis la justice pas en mesure faire lumière sur dossier pour au moins pour famille moun sa yo. Pour au moins pour famille moun sa yo ta dit bon OK, yo perdu c'est vrai mais té bon justice dans pays yo té rivé faire lumière, té rivé chercher coupable yo complice etc. Mais là, si on regarde depuis 7 juillet 2021, dans tout pays, grand titre journal, c'est assassinat du président d'Haïti. Là, il s'agit de un président au pays, côté que souveraineté pays, li menacé. On assassinat, un complot qui gagne ressortissant au paquet le pays, qui gagne Colombien là-dedans, qui gagne Haïtiano-Américain là-dedans, qui gagne Dominicain là-dedans. Qui gagne divers catégories moun la dol. Journée jodi an fait silence sou li, journée jodi an la pas évoquer, c'est un trahison, li considéré comme un trahison. Donc li important et li incontournable ou même en tant que moun, c'est pas une question de clan politique, classe politique, c'est pas une question de qui est soit supporter à qui est soit pas supporter, c'est une question de pays avant tout, de Haïti avant tout. Gardez la République Dominicaine. La République Dominicaine pays voisin nous. Pays Canada en décide de pour yo même yo pral mettre bureau
pour résoudre le problème de sécurité à Haïti, pour collaborer avec PNH, la Caillou République Dominicaine. Yon getan dou carrément, ministre des Affaires étrangères dominicaine getan kampe, porte-parole la présidence getan kampe, yon dou en aucune façon, ni jodi, ni demain, ni après-demain, yon pas vin mette souveraineté pays, yon en jeu pour personne moun. Problème Haïti doit résoudre la Haïti, la Haïtien yo. L'on pral dit tout, mais un bureau, qui ça un bureau, qui ça un bureau, on y met un bureau local, etc. Qui ça, qui ça qui pour avec souveraineté, ben m'bral explique. Pour arriver à comprendre la question de souveraineté, non seulement faut qu'on transcende, retirer la question clan, retirer la question militante, retirer la question, ou supporter tel politicien, tout le monde a bolo de politique. Question souveraine ton pays, c'est avant tout une question d'éducation. Qui sont prêts pour faire pour pays ou est-ce qu'on aime pays ou qui attache mon lien avec pays ou automatiquement jouer une réponse avec question ça yo ou pral ouais tout naturellement l'homme moun sot côté sorti li besoin vin cracher sous pays ou vin cracher sous histoire vin cracher sous drapeau ou après automatiquement en tant qu'haïtien faut camper pour défendre ni en tant qu'haïtien faut camper pour bay vagabond qui sort côté sorti rentrer dans pays rentrer dans la cour la caillou vin assassiner président vin passer souveraineté pays en bas faut ou ta ka balon réponse aux questions de souveraineté sont questions d'éducation avant tout sont question à sont question d'amour de la patrie est-ce qu'on aime pays ou qui sacrifie sous prêt pour faire pour pays ou qui transcende dans sous prêt pour faire pour Haïti. Quand on parle de mon nèg tant qu'André Michel, nèg cap défendre intérêt pays, on parle de intérêt personnel yo, nèg cap défendre intérêt mesquin, on parle de nèg za yo, là yo dou remen pays, c'est vrai. Si nèg yo t'es en mesure pour remen pays, pour transcender véritablement, journée jodiant là, problème politique cap brasser bill société a, problème politique qui à la base de toute insécurité nous gagne dedans pays, qui à la base de toute dérive ça nous gagne dedans pays, on pas gétant résoudre depuis sous président Jovenel Moïse. Parce que l'est évident que jodi a, c'est pas Jovenel qui problème non, parce que Jovenel pas là. Problème dans journée jodi a son problème de consensus, son problème tête ensemble, son problème rive jeune solution entre yo. Je nous te vois monsieur dame yo tap yaya akor yo dans pays Jamaïque danser collé, vous comprendre, yo à l'aise tant kou blaise etc. Parce que là c'était un moment plaisir lié détente, vous comprendre, moment pour yo enjoy yo fait. Mais monsieur dame ça encore rive sous table avec table de négociation, a toujours gen tiré, a toujours gen couteau tiré, a toujours gen divergence parce que ou c'est moun, l'on c'est moun, faut qu'on pare pour faire concession, faut qu'on pare pour transcender, faut qu'on pare pour comprendre, youn monte, youn baisse. Nous tous deux pas ka monte, on fait expérience dans caillou. Maria, madame, si chaque jour une discussion, tout doit monter, quand ça a explosé, foyer a crasé, n'a pas quitté. C'est ça qui fait au dos, là, une montée, une baisse. C'est pas parce que vous peur, non, l'a baissé. C'est pas parce que vous pas qu'on sort, non, l'a baissé. Ou baissé parce que vous avez intérêt qui est beaucoup plus grand, qui est en jeu. Et c'est ça, monsieur, dame, vous pas à comprendre. Vous pas jamais fait intérêt pays à passer avant. Ariel ouais, s'il choisit dans négociation, il choisit partager pouvoir, li ouais comme si li faible, li maintenant tête li faible. Nèg André Michel li aussi, yo choisit font concession pour dire OK pas de problème, a bon collège présidentiel, yo maintenant tête yo faible. Et pour bataille, pour combat que SDP André Michel, Nenel Kassi Majori Michel yo tap mené pendant 10 ans PHTK, nèg monsieur dame yo pral comprendre très mal pour yo partager pouvoir, pour yo partager gâteau, pour yo bay l'autre monde vin sous ses mamel là. Tant qu'on va dire dimte pour exemple, l'homme t'a parlé que pas gen aucun consensus, pas gen aucun accord qui ka joindre dans moment là sans que Ariel Henry parle dans pas chita sur table négociation et malheureusement bon ami qui dit Yannick ou déçum. Mais écoute, je ne parle pas comme si pour me faire plaisir, pour me dire exactement ce que tu as remis. Je ne parle pas pour me dire vérité, j'en lié à véritablement. C'est le jour où on a des petits proverbes qui sont là, là. La fille, mais pas qu'à venir mettre la caille d'ailleurs. Parce que dans le moment là, qui ça va gagner? Gardez la réalité en face. Dans le moment, qui est-ce qui met la caille? Qui est-ce qui met la cour? Qui est-ce qui dirige le pays? Ce n'est pas Ariel lié. Est-ce que ce n'est pas Ariel lié? Oui, fuck Ariel Ali. Mais
comment Ariel va aller, comment nous allons organiser nous pour Ariel aller. Est-ce que Ariel va choisir, nous jouons en tête, nous négocier, lui aller de par lui-même, ou bien est-ce que nous avons poussé, nous avons forcé l'aller? C'est la grande question. Et l'homme te prend exemple pour me dire nous le constat, c'est pour me montrer nous réalité qui gagne à terre, c'est pour me comprendre véritablement qui s'est passé à terre là. Allez, Jamaïque, l'homme, il n'y a pas besoin de déboucher avec rien parce que toutes conditions étaient réunies pour pas de un dialogue qui fait véritablement, pour pas de un tête qui joue. Parce que toute bagaille était tournée autour d'un seul bagaille, faut que le président, faut que le premier ministre, et Ariel lui-même lui dit, il n'y a pas besoin de président. Comment nous prenons une solution? Comment nous prenons une solution? Et véritablement, seule façon là pour n'importe où mettre des alliances politiques qui fait Jamaïque, des déclarations et conjointes qui signent, des consensus qui jouent dans divers acteurs politiques, etc. Véritable façon, yo ka chavire Ariel, retirer Ariel sous pouvoir, sans que Ariel pas fait partie de négociations, son coup d'État. Son coup d'État qui a abouti, soit exilé Ariel, soit arrêté Ariel, soit tout Ariel. Pas de l'autre issue possible. Et c'est Jean nous, ouais, je ne jodi, nèg yo permet que Ariel vienne dans le pays. C'est Jean qui a fait pour Jovenel Moïse. Tout pendant 4 ans, président Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse, il t'a demandé SDP, il t'a demandé l'autre coalition politique, vienne sous table de négociation, vienne négocier. Matin, midi, soir, président Jovenel Moïse a dit, vienne négocier. On prêt pour me céder nous et on paquet avantage dans le pouvoir. Bon prêt pour m'ba nous et primature, dégager nous, mettre ministre nous, etc. Juste une façon pour te cacher la stabilité pour le pays. Qui ça n'est que te fait? Qui ça opposition radicale la te fait? Yo frappe l'estomac yo, yo dit yo pas dans négociation, yo pas venu sous tabac avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est l'homme à abattre. Véritablement, qui ça yo fait? Yo pas tout yel? Yo pas fait complot, yo pas assassiné, yo pas tout. Après qui ça nous est? Yo prend pouvoir yo. Donc maintenant tête tout. Nèg ça yo qui t'est allé, qui t'est prêt pour yo touiller, qui t'est prêt pour yo bouler, qui t'est prêt pour créer instabilité dans le pays pendant 4 ans. Journée jodi, nèg ça yo encore yo sous pouvoir yo. Journée jodi, nèg ça yo gen pouvoir dans main yo. Journée jodi, nèg ça yo c'est maître pays, yo c'est maître. Mangé di on vie bagay. Yo c'est maître pays, yo c'est. Et yon kap fè, yon kap défè, yon kap coupé, yon kap rachè. Donc, nous te ka mette nan tête, nous ke nèg sa yo, yon tap pral négocier avec l'autre moun pou yon cede, pou yon bay avantage. Yon tap pral mette nan tête, yon tap pral mette nan tête, tout ke nèg sa yo, tap paré pou yon négocier, pou yon partager, pou voir qui joue, qui date, qui le, qui yes. Est-ce qu'on comprenne? Donc, yon considère tout l'autre opposant politique yo. Joune jodi, Ariel avec tout reste moun ki siyen akor 21 décembre, yon se mette pays. Yo considéré tout l'autre opposant, tout l'autre protagoniste comme la fumée. C'est comme si c'est la fumée qui vient mettre mettre caille dehors et yo pas jamais dans toute histoire grand monde toujours raconté, yo toujours dou la fumée pas qu'a venir mettre mettre caille dehors. Et bien comment nous pral faire? Comment nous pral faire? Ariel pas prêt pour le transcender. Ariel pas prêt pour le surpasser. S'il t'a choisi OK pas de problème, n'a fait et exécutif à deux têtes, a bon président et lui a bon premier ministre. Est-ce que c'est lui qui pral jouer le président bien est-ce que l'a prêté premier ministre? L'a senti trop faible, comprendre? L'a senti faible, l'a senti pas en position etc., etc. Au lieu que vous choisi Antonio, au lieu que vous choisi mettez tête ensemble pour jouer une solution avec problème pays, eh bien comme si t'a parlé 3 jours de dialogue interhaïtien du 11 au 13 ans, li pat bay résultat dans le pays Jamaïque. Eh bien, vendredi 16 juin qui se passe à là, en délégation qui était là au pays d'Haïti, monte dans Washington, aller dans l'ONU, al parler sous problème pays. Et dans le cas d'intervention qui fait yo, eh bien, yon l'autre fois encore, genye Ricard Pierre, qui se ministre planification pays d'Haïti, qui lui-même li mandé international là rapide pressé sans délai pour yo intervenu en Haïti pour éviter qu'on guerre civile. Et intervention li mandé ya, c'est ça Ariel te dit le pat mandé ya, li mandé Nations Unies pour intervenir pour voyer force d'intervention militaire là en Haïti pour vin retirer sa nourrele tout potentiel de guerre civile qui a préparé là. Parce que pour gouvernement Ariel Henry, pour ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus, pour ministre planification Henri Campierre, gagner une guerre civile qui a préparé Haïti haïtien au bord d'une guerre civile. Donc, rapide, vite,
faut gagner les dispositions qui prend par bon côté international là pour régulariser et situation. Donc et dans l'idée ça dans ce sens là donc on a gagné un fond basket et 10 millions de dollars américains que pays Canada gagne mel li mette à la disposition de nous qui lui-même qui a géré l'argent ça on comprend qui a gérer toute bagaille dans l'argent, mettre l'argent disponible pour payer l'argent, acheter équipement, etc. Et bien, dans ce sens, vous avez décidé que vous allez ouvrir un bureau en République Dominicaine. Coquin pété, zin pété, etc. Bon, là, dans le moment, vous ne connaissez pas si véritablement bureau pour venir en République Dominicaine. Parce que Dominicain n'est pas d'accord, pas que Canada a fait de force. Mais moi, il y a un paquet de discours qui a fait là pour regarder est-ce que bureau vous allez ouvrir au cap haïtien. Quand il a posé cette question, véritablement, qui ça, monsieur Damio, voulait faire avec question sécurité? Qui ça, vous voulez faire avec question gang, bandit, cap terroriser population? Parce que c'est comme si vous plus voulez fuir ce problème dans le foyer criminel, vous plus voulez aller résoudre les choses de l'autre côté, quitter côté séquel, quitter côté moi, et puis aller crier de l'autre côté. Donc, il faut qu'Ariel dise nous ça, vous voulez faire avec le pays. Il faut qu'International dise nous ça, vous voulez faire avec le pays. Et il faut que Frenzel B mette pas talent dans le pays pour dire qui ça, vous voulez faire avec le pays. Yon lot bon genye ambassadeur français, Fabrice Moriès, qui pote yon bonne nouvelle pour PNH. Qui sa nouvelle là yon? Eh bien, ambassadeur Fabrice Moriès li annonce genye yon unité dans la police française, un corps spécialisé dedans la police française, qui rele RED. RED, qui vle dit recherche, assistance, intervention, dissuasion. Et c'est encore côté policier vraiment formé, bien équipé. Policier, ou ap gade ou presque pas même kawe touje yo. Parce que yo bien équipé. Eh bien, yo rentre là en Haïti. Yo gen pour yo passer un mois en Haïti pour yo vin formé. Et diverses unités dans la police, diverses catégories de policiers. Yap gen pour yo former policier brio. Yap gen pour yo former policier et yap gen pour yo former des agents de la DCPJ tout, yap gen pour yo former policier BLVVO. Nan l'idée pour yo ka gagner tactique, pour yo gagner stratégie, pour yo ka marcher sous fiel, reprendre bandi yo, al marcher sous fiel criminel yo, machin désagrément yo qui va suspendre si Maïla pou blan nan pays. Parce que gen bien longtemps nous mêmes c'est solution n'ap tann. Nous conscients de tout problème pays, nous conscients de gangsterisation, bandits, et pas bon côté acteurs politiques, parce que c'est acteurs politiques qui yo même qui participent dans gangsteriser et pays, c'est eux même qui bail les armes, c'est eux même qui bail les munitions, c'est eux même qui bail les moyens. Tout récemment là, et pas section Canada se prend compte et grâce à Delva, c'est pas section se prend compte et Victor Profane député. Pour qui ça? Parce que yon gen complicité, yon gen connivence avec gang, yon gen connivence avec bandi. Donc, je ne j'en dis là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces délinquants habillés à veste, à cravate? C'est pas seulement, ouais, Canada sanctionné, ouais, États-Unis sanctionné, et puis nous-mêmes, couloir nèg yon toujours existé, filière yon toujours là, yon continue à faire zam rentre, yon continue à faire bal rentre, à l'alimenter bandi, à l'alimenter gang. Oui, c'est vrai, PNH a besoin d'équipement, PNH a besoin et policiers ont besoin de formation, nous besoin de soutien pour policiers, etc. Mais en dépit de tout ça, faut gagner des exemples qui tracent. Et tracer exemple sous politiciens qui n'ont gang yo, sous nèg qui n'ont secteur privé, gros businessmen qui n'ont gang yo, tout ça gagne pour avec question de souveraineté. Et nèg yo créer toutes conditions pour que belou dans ignorance. Puis bon façon qu'a que bon peuple dans ignorance, c'est attaquer éducation lui. C'est attaquer le système éducatif là. Journée aujourd'hui, si vous regardez le système éducatif haïtien, il est presque à tes plaques, il est presque à zéro parce que il n'est pas productif vraiment. Ou ka bouke gon ministre de l'éducation nationale, ou ka bouke tande a prendre $1.50 sur diaspora voye sur transfert diaspora voye en Haïti pour aller alimenter FNE Fonds national éducation, mais qui pas utile en rien, qui pas utile payer en rien parce que au niveau mental là, au niveau de réflexion, nous pas produit en rien. Ou apprendre pour comprendre. Ou ka bouke a chita sou ban l'école, ou fait tout étude et puis ou pas jamb ka fon analyse, ou pas jamb ka comprendre que dal, ou pas jamb ka comprendre rien. Et c'est une des raisons ap gade des séries de nèg ak fòm jounen jodi a qui montre ça avait passé ou pas gagné. Ou comprendre gros autobré passé intellectuel passé ou pas gagné et puis même yon même journée je dis à coup parler de justice sous président Jovenel Moïse, y a pris le journaliste, y a pris le partisan, y a pris le machin micro, etc. Pour qui ça? Parce que yon tellement pas comprendre rien, yon aveuglé,
Yo aveugle par qui ça, par hen yo te gagné contre Jovenel. Yo aveugle par qui ça, parce que yo te besoin d'entrer dans le pouvoir. Yo pas de jeune couloir pour entrer dans le pouvoir. Même après là, moi président, yo pas le président. Alors que si nèg yo te en mesure pour yo comprendre, yo te apprendre pour yo comprendre vraiment. Yo ta pour journée, je dis, c'est pas en question de Jovenel Moïse, c'est en question de chef d'État. C'est en question de Haïti, c'est en question de souveraineté. Donc, il est important, non seulement pour nous comprendre que même étrangers ça yo, même gros autobrés ça yo, même machin pays ça yo, yo crase système éducatif là pour nous toujours être esclaves dans tête nous, dans l'esprit nous, mais tout yo conditionné Haïti journée aujourd'hui pour ces baboches qui intéressent nous, pour ces kawash party qui intéressent nous, pour ces marché à pantalon sans fouk seulement vendre corps nous reprendre vendre conscience nous, pour ça seulement qui intéressent nous. Combien fois d'ande nèg qui gen l'argent en Haïti ou l'université ça c'est pour yo. Yo te construit telle l'école, yo te investi dans l'éducation. Comme une fois, ou kon pas son côté pour yo dou, ça c'est maquette Boulos, ça c'est maquette et pas maquette, non, ça c'est université Boulos, ça c'est l'école primaire, secondaire Boulos, etc. Ça c'est université Bossan, université Unibug, Sojebug, etc. Yo te investi. Ou j'aime donner ça. Ou attendez, yo fait maquette. Ou attendé ou gen maison de voiture, ceci c'est là, yo c'est concessionnaire et automobile. C'est ça ou attendé, côté qui ka fait l'argent. C'est là yo yé. Mais yo pas besoin qu'on ait si mentalement nous enchaîner parce que yo créé condition pour nous enchaîner mentalement. Yo pas besoin qu'on ait sous apprendre, sous comprendre parce que yo créé condition pour dépendre de yo, pour yo kembo dans esclavage mental. Donc journée jodi faut que nous ka caliger nous. Faut que nous comprenne. Haïti tellement gen problème, nous gen problème. Jout nan zo pays gen problème. Jout nan zo et nous pas ka continuer comme ça. M'a regardé une vidéo aux amis partagé avec moi pendant que gen l'argent k'ap gaspiller dans pouvoir Ariel Henry. C'est pas ti l'argent k'ap gaspiller dans pouvoir Ariel Henry. M'a regardé pourquoi m'te partager photo ça avec nous. M'te partager vidéo ça oui. Dans l'Antibonite, on l'école, on paquet tol tol yo ouye. Tol barre l'école là, tol couvre l'école là pour est-ce qui ça ti moun yo chita pour est-ce qui ça ti moun yo apprend enseignement. C'est pays nous gagne, nous pas faire pays. Nous pas faire pays. Et bon, nous pral rentrer dans dossier Ougan, nous pral rentrer dans dossier franc-maçon disons et qui a fait gros expédition derrière premier ministre Ariel Henry. Et m'pa gen comment m'a fait sur lui, m'a seulement qui tout regarder vidéo et bon play vidéo pour ka regarder vidéo. Et puis après, on a remonté avec l'ancien premier ministre Evans Paul Capé, qui lui-même a partagé un ensemble de formations avec nous qui nécessaire, qui important pour t'en dégager. On nous garde des vidéos, expéditions que y'a fait derrière Ariel. Est-ce que la bataille d'Ariel Henry? Pas qu'on est, mais elle a été sérieuse. Elle a été sérieuse. Toute qualité et mouchoir, baleine. Ah, t'as chargé. On nous garde ça. Le président progressiste du Massé estimé, le président progressiste du Massé estimé, le docteur président révolutionnaire nationaliste, Papa Doc Duvalier, Papa Doc Duvalier, Papa Doc Duvalier, et le président nationaliste noiriste progressiste, Leslie François Saint-Roch Maniga, Leslie François Saint-Roch Maniga, Leslie François Saint-Roch Maniga. Je vous invoque et je vous conjure, vous tous ces esprits, de traverser les portes de l'univers, de laisser les mondes invisibles, le monde des morts, de quitter les galaxies interstellaires, de traverser les quatre éléments qui vibrent notre planète, la terre, l'eau, l'air et le feu. De venir vers moi, à l'instant même, dans ce monde de la matière physique et visible, pour accomplir tous mes voeux, ma volonté et mes commandements. Transformez-vous à l'instant même devant moi, par la force et au nom de tous les pouvoirs maçonniques qui m'ont été conférés, étant que fils de la lumière et fils de Lucifer, fils des extraterrestres. Alors je vous demande d'exterminer l'existence physique et visible, merde, de l'assassin, le premier ministre Ariel Henry, le premier ministre Ariel Henry, le premier ministre Ariel Henry, fils de Michael, Seyalia et de Gabriel. Coupez son souffle de vie à l'instant même. Coupez son souffle de vie
à l'instant même. Couper son souffle de vie à l'instant même. Par les énergies de l'air, de même que par les feux du ciel, par l'eau qui bouge et par la terre qui marche. Couper son existence pour le voyage vers l'Orient éternel, pour avoir trahi notre chère patrie, Haïti, mon pays natal. Anéantissez son existence à l'instant même, pour avoir trahi nos pères et mères de la liberté. Et pour avoir massacré notre peuple, le peuple haïtien. Tous les jours, depuis après la mort tragique du président élu, Jovenel Moïse. Notre seule solution et résolution devant vous, c'est la disparition brutale par son sang versé et sa mort sauvage et immédiate. Qu'il en soit ainsi. Pas trois fois toi. Papa, nous tendez toute qualité bougie, nous wè Ariel nan kon sant la. Bon, c'est monsieur qui connaît et qui motivation. C'est lui qui connaît qui ça qui réellement pousse elle fait interpellation ça derrière Ariel, mais Ariel va pas content. Non, et puis Ariel pas ka vinn voyer papier timbre. Bon, moi pas faire interpellation d'elle. Partageons bagaille et puis that's it. On a avancé et on a continué avec les dossiers politiques. C'est moment pour suivre avec moi une entrevue qui était réalisée avec l'ancien premier ministre Evans Paul qui lui-même lui parlait sur des dossiers qui sont extrêmement importants. Et dossiers ça est tellement important que moi estimé faut qu'on t'endel, m'estimé faut qu'on partager, m'estimé tout faut qu'on commenter sur ça la vie parce que ou ka d'accord avec lui ou ka pas d'accord avec lui. Entrevue li réalisé avec journaliste Des Auguste qui lui même a fait un beau travail en nous garder ensemble qui ça Evans Paul t'a dit. Déclaration ça que Franck Etienne fait sur plateau. D'abord il parlait de situation personnelle li. Et sans se plaindre, c'est-à-dire sans qu'il ne pas demander, il te dit ça tout. Mais il fait des phrases qui attirent l'attention parce que je suis dans ça là par admiration moi-même tout. Et je suis suivre l'émission. Il dit que c'est à cause de une situation politique avec une pensée politique débile, perfide, une pensée politique stérile. Qui fait que le pays a sombré dans sa vie sombrée aujourd'hui. Nous avons aimé peut-être nous prendre ça presque comme des clics pour nous peut-être demander également qui sort découvrir à travers la déclaration ça, ou même cap suivre. Depuis plus de 30 ans, plus de 40 ans même, situation sociopolitique pays a qui vient un acteur au premier degré. A-t-il totalement raison, Franck Etienne? Bon, les Franck Etienne a parlé pas seulement tant des saldis. Essayer de décortiquer Saltavliti par rapport à mon lien. Pas oublier que son créateur qui a parlé. Un créateur vive d'inspiration. Métier écrit, ou pas écrit pour tête, pour jouer une bagaille, pour porter message. Message cordé, message en daki, depuis des affiches, passer dans tout fauban, perdre une tête. Et la trier, et alors en parenthèse, faut qu'on ait que Franck Etienne les qu'on livre le miraculeux, et mon cas pas comprendre ça veut dire miraculeux, monsieur considérer tête les comme un miraculeux. C'est parce que c'est une rare personnalité, une rare personnalité de premier rang qui passait tout régime du Valier, qui pas prend prison, qui pas prend bâton, qui pas prend exil. Et monsieur toujours prend ça comme un miracle, parce que c'était difficile dans cette période-là pour prendre position, pour dénoncer le régime, pour écrire, etc. Dans le niveau Franck Etienne, et puis, il y a un miracle qui fait rien par rapport. C'est difficile, il faut compter sous doué tout. Je ne connais pas l'autre exemple. Qui n'est pas soit obligé de courir pour un moment, soit tu es pour une petite prison, soit tu es pour une calotte, soit tu es diakoukou, tu es femme, etc. Et, bref. Alors, je pense que monsieur, tu veux dire, pas d'inspiration dans la politique. Moi-même, c'est comme ça, moi. Et moi-même, c'est constat pas tout. Gon problème d'inspiration. Gon sécheresse d'idées. Nous avons une crise idéologique. Est-ce que nous avons parlé là de un manque d'intelligence politique
Pour résumer, on essaie d'inventer des mots, peut-être de proposer aussi. On connaît moi-même, moi toujours mesurer les mots, moi utiliser. Depuis pas d'inspiration, manque d'intelligence. Parce que intelligence, inspiration, c'est pas un bagage qui vient tant qu'on l'évangile. Son bagage, il faut évaluer lui. Et moi, ouais, François Duvalier, ou mettre un problème avec lui, de opposer avec lui, etc. Dans un documentaire qui était, il dit que l'icône fait une semaine son phrase là. Une semaine. Oui, parce qu'il n'est pas satisfait de phrase là. Il dit que l'inspiration, ou bien le poète, l'écrivain, le producteur, il remettait tête en question tout le temps. Et c'est ça qui fait le cas pour Dieu. Il n'y a pas dit qu'on va arriver dans la tête, la gueule, c'est la médiocrité. Il faut l'évaluer, ça le dit, ça le dit, etc. Et un monde qui a écrit, mon cap écrit poésie, cap écrit théâtre, cap écrit discours. Discours a fini écrit, bien livre l'a fini écrit, je le publie. Tout le temps, il faut publier, l'a corrigé, l'a remettre en question, il y a tel mot, il y a telle phrase, etc. Moi-même, là, je fais une interview, je ne suis toujours pas satisfait. Je toujours pensé, je suis dit telle phrase, puis bien, je suis prononcé tel mot, puis bien, je suis une meilleure attitude. On se remet en question. Ou pas, je me bats l'estomac, je suis content, bon. Alors, manquer d'humilité, ça, absence d'humilité, ça, les poter une autre grosse absence qui est l'absence de fertilité. Alors, moi-même qui grandis dans une période, côté que nous avons été en pile effort d'exercice intellectuel, comme nous avons parlé de Franck Etienne, nous avons parlé de théâtre. Nous avons bien repris mon ça pour le jeune cap côté là, et M. Evans Paul, nous sommes sortis de pensée perfide, stérile, débile, pour nous faire référence à Franck Etienne. Nous tombons dans l'inspiration, intelligence politique, mais vous parlez de manque d'humilité qui fait que manque tout fertilité. Fertilité. Alors, vous prenez ni au. Non, c'est mais, depuis qu'on bat l'estomac, on a un dollar, ou c'est Jean-Jules Desoris, ou on travaille dans la métropole, son gros télévision, gros radio, dans le point, tout le monde, ouais, ou. Et puis, ou sérieux. Il faut prendre tête tout au sérieux. Mais il faut gagner humilité tout. Absolument. Si chaque compliment est offert, ou pensez plus que télévision. Ou pas faire effort. Parce que chaque matin. La chute commence comme ça aussi. Chaque matin, il y a des gens qui sont fiers de tête yo, trop. Ou faites pourquoi dans tête tout. Il faut cultiver tête tout. Mais l'on lève matin. Par exemple, il y a de crise idéologique. Il y a une ambiance. Il y a un gros élément de crise haïtienne. C'est la toxicité. 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 Merci, toxicité de la parole. Tout le monde dit ça, vous voulez n'importe qui, j'en ai voulu. Et puis sans conséquence, sans qu'on n'ait pas connu ça, l'a dit à qui conséquence, l'a gagné. Sous l'autre monde, captant, peut-être l'a dit, les gens l'ont visé, ils ont l'ennemi, ils ont adversaire, mais ils ne connaissent pas l'a parlé, en plus, ils ont entendu, ils ont grandi, captant. Alors, pour me faire, ils ont gagné un papa l'autre jour, qui font petit lit déshabillé dans l'aéroport, tout sans l'ouverture, qui t'apprend le parti dans le programme Biden. Nan. Parce que petit la parti, papa est obligé de aller dans le travail. Mais elle a rencontré petit la pour le saluer dans l'aéroport. Là, elle arrive à petit la habillé, une petite demoiselle, on peut aller chirer sous lit, on s'apate dans le pied, etc. Et il dit, vous ne pouvez pas partir qui te payer comme ça. Petit la dit, pantalon avant de chier. Il dit, on ne peut pas parler de prix, pantalon soir. Mais on peut aller chirer. Ah là là, moi. Non, ou pral non pays, moun ka pou se vola la pou costume sou li, ou bien la bon uniforme sou li, et pou même ou pa arrêt pareil comme ça. Ta pou moun fou? Mou kon ouè gros atisyo, mou pa gros atisyo. Et pou sorti non pays kre la Haïti, ou son noir, ou bon image, ou bon jan pou yé. C'est pas parce que Madonna tu fais, ou parle de Madonna, ou kon sa m'dou. Et puis l'on perdu. Référence ou identité ou point d'identité ou et puis ou regarder ou tourner singe tout ça l'autre monde fait ou fait et puis politiquement tout l'arrivé dans position soit dans pouvoir soit dans opposition ou pas réfléchir ou tomber dans bande de dilemmes de dire bonne parole qu'on a regrette qu'on suive toute la vie je dis alors dont parole les suivre toute la vie faut faire très attention et puis surtout conséquences parole lieu sous population alors question ambiance de paroles polluantes là, c'est un élément crise haïtienne là, qui fait jeunesse là, ça l'entendait, un petit bébé ça l'entendait, c'est ça le répéter. Et ça le répéter, c'est ça le quoi. Alors je pense que c'est un effort pour nous faire, c'est une époque
monde a réfléchi. Vous connaissez, nous adopté Antigone de Sophocle. Sophocle, c'est un gros dramaturge depuis l'Antiquité. Qui est Antigone, etc. Nous avons Félix Poissoléwa, qui mourut longtemps, c'est grand monde, parce que c'est Franck-Étienne. Qui traduit, mettez en créole déjà, c'est là. Anthony Pascal, qui est le compère Philo, c'est Wolf Philo, qui était joué dans Antigone de Sophocle, que Félix Poissoléwa était adapté. Puis devant, nous avons une Saint Anonymat qui a adapté le Cid de Pierre Corneille. T'as tout ça en Haïti. T'as un Fayol Jean qui a adapté En Attendant Godot. Et, mais il y a tout un mécanisme, je suis capable de dire, de socialisation, de sensibilisation, de formation, d'éducation qui allait et pas tourner encore. Je vais suivre avec attention et je vais prendre un mot que vous avez dit là, M. Evans Paul. Est-ce que c'est une question d'idéologie qui mettez-nous dans la carence d'intelligence politique, ça, donc d'humilité politique, si je vais prendre un mot par là, de fertilité politique. Parce que petit, vous êtes un footballeur sous terrain, vous regardez les nègres capitaux, vous dites « Ah, je suis devenu footballeur ». De même pour musiciens, chanteurs, danseurs, guitaristes, pianistes, etc. Mais je dis, vous avez l'impression que pas un jeune, ou bien pas un monde, presque, pas grand pile, si bien, pour un jeune, vous regardez et dit on t'a même vu un homme politique comme X comme Y, on t'a même vu un président comme X comme Y, on t'a même vu un premier ministre comme X comme Y. C'est comme si, dans la sphère, dans l'environnement sociopolitique noir, les gens qui ont à tort ou à raison, ils ont décrié en face là, c'est toujours mal à parler. Est-ce qu'on va penser tout ça créer une génération de perdants sur le plan politique qui pourra sombrer le pays à davantage aussi? C'est-à-dire création de notre climat, de notre discours politique. Alors, c'est ça, moi, les crises idéologiques là qui peuvent le mettre dans une insécurité politique. Alors, insécurité politique là, il ne faut même pas prendre dans l'unique dimension de l'insécurité publique. Mm-hmm. Ouais, insécurité politique là, elle engendre insécurité publique. Les compliquer l'insécurité civile. Parce que chaque fois, dit ça, vous voulez dire. Sécurité publique, là, c'est problème bandit, etc. Que l'État, la police, pas arrivé à résoudre. L'insécurité civile, là, c'est une série de catastrophes qui arrivent, ou pas qu'à empêcher d'arriver, mais capable d'empêcher de faire dégâts. Et puis, vous avez un bon flot de l'autre insécurité, insécurité routière, etc. Et insécurité sanitaire, en sécurité alimentaire, mais tout ça découlait de l'insécurité politique. Mais l'insécurité politique là, l'élargit. Je dis à même sécurité l'État pas existé. Même l'État pas capable de tête les sécurité ou après y entrer écraser bah l'État bouler bah l'État chasser tribunal dans bicentenaire etc. Y ont entré dans une institution publique boulon bande machine il y a l'attaque ministère finance etc. Le clou que, on a assassiné un président. Ah t'as pas le rigueur là. C'est l'État mais est assassiné quelque part. Exactement. Bon et y a une tendance même quand qu'on va arriver au monde qui est dans l'État ou même dans l'État qu'un monde qui t'a voulu applaudir ça tant que et semaine ça, il y a qui passe, qui grave. Ils ont attaqué deux anciens sénateurs, le sénateur Bouplan et l'ancien président du Sénat, Calmiou Akantab. C'est extrêmement grave. Oh, non seulement d'anciens sénateurs, mais ce sont des citoyens. C'est-à-dire que personne n'a pas pour un plaisir dans ça. Si on a un problème avec un problème de justice, que la régler devant le tribunal. Mais ce n'est pas un groupe bandit pour venir. Et puis, l'homme bat bravo parce que bandit attaque un monde, ou parrain, mais ou patrin, mais etc. C'est comme si m'dado, ou bandit en sorte de légitimité, quelqu'un doit force à ton là. Vous comprenez? C'est un coup. Ma profite pour une parenthèse pour m'exprimer en solidarité à Marie-Lucie Bonhomme. Ça choque, moi. Donc, ça t'a arrivé n'importe qui l'autre monde. Sans dans la caille, l'abdomen, bon, même s'il était dans la rue, quel est son côté de pour y prendre. Vous comprenez? Bon. On est ça qui passé, nous sommes bien contents que vous libérez les. Mais c'est extrêmement grave que de barrer comme ça a pu produire une société. Mais l'on parle de insécurité politique là tout. Mais il y a une autre difficulté dans ça, c'est une gravité. Où il y a l'impression aujourd'hui, il y a des gens qui ont attaqué, qui ont frappé, à tort ou à raison, surtout des personnalités publiques.
même si il y a des gens qui t'aiment sympathiser avec yo, mon n'a même qu'à exprimer publiquement. C'est tellement mon ça peut-être à tort ou à raison encore décrié et vignon manque de sensibilité à l'égard de l'être en Haïti. Qu'il s'agisse même du chef de l'État et de peut-être une personnalité en moindre degré dans l'échelle là. J'ai l'impression que les gens qui percent par exprimer sensibilité ou sympathie. Yo. Nous prenons exemple pour ces deux anciens sénateurs, l'homme politique André Michel qui était attaqué, frappé, battu, etc. Il y a des gens qui pas d'accord, qui peut-être pas même exprimer ça. Dans quel niveau que nous arrivons là, je dis là? Bon, moi-même, dans le niveau, je suis capable de toujours exprimer. C'est-à-dire, si son tweet pour faire, si son petit message pour me voir, si c'est pour moi personnellement, je suis toujours fait. Et même si je connais des gens qui pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est pas fait par eux. Tout le monde va y encourager pour là, peut-être. Bon, je vais encourager l'autre monde. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour attaquer quand on monde, pour bouler quand on monde, quel que soit le monde. Même s'il était pire ennemi, ce n'est pas normal pour bandit faire ça, pour l'État faire ça. Tout personne ne doit faire ça. Ce n'est pas ça qui est état de droit. Qui fait, là, on a parlé de crise pays, parce que crise pays, bon, ou bon problème fondamental qui sont problèmes de justice. Et comme vous connaissez, pas avocat, obligé de réfléchir, vous avez une balle dans la métropole, vous avez une balle de justice, de qui justice vous parlez. Alors, il y a deux aspects de justice là, et la justice sociale et la justice de droit. Et c'est volontairement pas de justice pénale, parce que justice là n'est pas là seulement pour faire la peine, il est là d'abord pour garantir droit. Il y a quand même plutôt terme, expression. Justice de droit. Justice de droit veut dire que on m'accuse de quelque chose, mais la justice pour le confirmer, il y a bonne condamnation, ou bien la justice pour le blanchir et le réhabiliter. Et c'est ça, justice de droit. Justice de droit, ma machine dans la rue, on ne pas droit attaquer, pas que droit voir roche moins, quel que soit saleté gars avec moi, vous comprenez? Et c'est ça, et pour nous arriver régler justice sociale là. Et si on est malade, il faut le gagner à l'hôpital pour l'aller. Il faut le service dans l'hôpital, il faut le médecin yo, et yo bien traité. Yo. Et l'autre jour, il y a une personnalité qui vient là, et le professeur Guichard Doré qui t'a parlé de problèmes d'enseignement supérieur. Et puis, il m'a parlé avec quelqu'un qui est dans l'enseignement supérieur, professeur à l'université. Et c'est là pour comprendre le réel fort chrétien. Ce qu'on est salaire de misère que a touché. Et là, tu arrivé en pension, combien qu'oublié. Alors, c'est extrêmement compliqué. Et dans le monde qui a parlé, qui a formé l'opinion, on l'aime tant dans le monde qui dit que yo adopté un budget annuel de 164 milliards de gouttes. Et puis, il y a un journaliste sur les réseaux sociaux. Et puis, il dit, garde chan, là, yo méchant. Pour yon gen tout kop sa yon gite peuple la nan mise sa. C'est là dit que, et là il dit ça, on moun kap tende à penser que, gon 164 milliards de gouttes qui quelque part disponible pour yon bay peuple la, pour yon séparer le bay peuple la. Or, le budget c'est une prévision. Son kop ou pense ou pral collecter, ou programmer sous le même kop la, pas là. Et son kop ou pral rentrer par 12e, c'est chaque mois. Mais, moun n'a pas dit peuple à tout ça, il fait comprendre plus que font prévision, etc. Et ça pire de là, sous prend budget, 164 milliards de gouttes là, ou divisé par environ 14 millions moun nouye, il vient un pourrata de 89 dollars américains par personne par année. Ça veut dire misère. Qui sont planifiés pour un pays, infrastructure, l'hôpital, l'école, etc. Il y a un petit bagage qui est capable de faire. Mais si nous ne posons pas de problème dans le fondal natal, ça, problème économique, problème précarité, problème justice sociale, problème justice de droit, eh bien, nous ne pouvons pas sortir dans l'insécurité politique. Et l'insécurité politique, là, ils sont une grosse menace pour jouer un monde de qualité qui entre dans la bataille politique. Parce que tout contre dans la bataille politique, ou c'est voleur, ou c'est assassin, toute qualité bagaille qui arrive, qui fait, même là où on voulait engager l'entourage, les femmes, mais pas rentrer dans la bagaille, attention, ouais, ça arrive un tel, tout exemple est mauvais. Alors,
ou non environnement, on est capable de dire pollué, ou environnement macaron, malépendier, qui c'est une élément fondamental crise haïtienne ou on crie jodi a mon pa wè koto pour le résoudre li c'est moun ki pou résoudre li on nous non processus systématique de destruction de moun destruction d'organisation m'a fon parenthèse parce que moi même gen la loi bouche imagine sou ta mande ki parti politique ki pi populaire dans pays a y a dou PHTK parce que tout moun se li yo parle mal depuis 10 ans etc. Énergie gaspillée n'a pas le PHTK mal. Si l'énergie s'est investie dans construire l'autre parti politique, tu as bon l'autre parti, peut-être qu'il t'a pas en face PHTK ou bien qu'il t'a représenté un espoir pour le peuple. Est-ce que là, M. Evans Paul, pas gagné dans l'insécurité politique qu'on a parlé là, ou prend PHTK en exemple, ça n'a pas créé tout une méfiance politique, ça n'a pas créé tout une carence d'hommes et de femmes politiques, et qui fait que monsieur, dame, politicien, politicienne, membre de secteur privé, de la société civile, ils ont allé Jamaïque où il y a l'impression que Gisela vient plus envenimer après Jamaïque. C'est peut-être ça n'a pas les deux lits après pause là. Pour nous, pour qui ça? Des mondes que société a, à tort ou à raison, font minimum de confiance. Il y a des négociés sous tête PIA, pour PIA, selon eux-mêmes. Ils ne peuvent pas tourner avec rien, c'est pas tourner avec pire. On a parlé de ça peut-être après pause là. On voit, est-ce que c'est insécurité politique ça qui crée climat socio-sécuritaire, etc., que nous vivons là? Merci beaucoup pour disponibilité, encore une fois, à Métropole. Merci à vous tous et à vous toutes aussi de suivre cette émission qui, à mon sens, a une portée didactique parce que le schéma que nous voulons définir aujourd'hui, ce n'est pas qui a tort ou qui a raison, mais c'est de voir comment nous sommes sortis dans ça, nous, ça que le pays a traversé, parce que nous sommes tous dans le même bateau, que ce soit journaliste ou homme d'affaires ou politicien ou professeur ou autre, c'est de travailler ensemble pour voir comment sortir le pays du chaos. Et ça, on l'appelle dans notre métier, journalisme responsable. Vous êtes d'abord citoyen, acteur de la société, avant d'être journaliste, et peut-être vous n'êtes journaliste que par hasard, et ça c'est pour tous les autres corps de métier. Politique, méfiance politique, intolérance politique, infertilité politique, et tout ça. Est-ce que c'est insécurité qui va être tout ça? Manque d'humilité, insécurité politique qui mettait nous dans une situation côté que les yeux rivés sur la Jamaïque, en pire l'acteur Zili, c'est peut-être malheureux que c'était obligé à la Jamaïque, mais il y a allé quand même. Mais c'est un coup, le monde qui allait dans le jardin pour tourner avec rien. Et si ce n'est pas pire, selon ça que nous entendons comme discours aujourd'hui. Moi-même, ça me capable de dire, la majorité du monde qui est dans le Jamaïque, ce sont des citoyens, des personnalités, des amis, des gens que je connais, qui ont de pratiqué depuis des années. Moi, je connais un pile dans eux qui aiment le pays. Un pile dans eux qui sacrifient pour le pays pendant des années. Et grand pile nan yo qui très honnête. Grand pile nan yo qui intelligent. Mais c'est la crise haïtienne. Individuellement nous bon que mettez nous ensemble, nous voyons flair. Et ou saute ben un paquet qualificatif qui est capable de faire Jamaïque pas marcher. Mais gon l'autre petit mot tout court qui relève tactique politique. Tactique politique, c'est-à-dire. C'est-à-dire lorsqu'on nous réunion, réunion après le fait de Jamaïque, gagnent de mise en contexte qui peut être faite, gagnent de pré-accord qui peut être fait, et moi-même, pas blague Charles là seulement sous compatriote moi, pas blague sous médiateur tout. Cela dit que sous ces médiateurs, mais car ils comme proposer tête lui comme médiateur. Je pense qu'il y a des consultants, des monde qui baillent aux dimensions crise haïtienne, c'est pas une crise jouette liée. Ou pas capable de penser dans deux journées et demi, ou pas capable d'aborder aspect conjoncturel et aspect structurel crise là, selon sa m'télé dans l'agenda, sans pas chercher un pré-accord. Pré-accord, c'est la négociation à faire avec les partis. Mais ça, plus difficile dans la crise haïtienne, il y a trois interlocuteurs. Il y a des gens qui comparent
Jamaïque avec Gouverneur Island. Moi, j'étais présent dans Gouverneur Island. Mais tu as deux protagonistes dans Gouverneur Island. Le général Raoul Cédras et le président Jean-Pierre Aristide. Et Gouverneur Island t'es justifié en réunion faite à l'étranger. Parce que le président Aristide était en exil. Il y a des gens qui prennent un exemple de négociation qui fait et entre le gouvernement colombien et les FARC. Mais pas oublier que les FARC là sont guerriers alliés, Cap-Goumen en cachette, les Pakalchita sont table conférence avec le gouvernement, ils ont tout arrêté. Les justifier, gagner en réunion qu'elle fait à l'étranger. Mais là, où gagner tout acteur, ni ça d'accord, ni ça pas d'accord, monter même avion. Puis après discuter, bah, puis y a dans l'autre pays. Moi, je comprends, peut-être que tu as besoin de cadre qui est plus sécuritaire, etc. Tu as besoin de médiateur. Mais ce n'est pas trop fait sens. Parce que entre nous, entre les individus, pas de problème, il y a des accolades, il y a des blagues. Etc. Pas de monde qui a bougé ma monde. Ils ont dansé ensemble dans la mission. Ils n'ont pas de problème, pas de problème. Le problème, c'est entendre nous faire concession qui est nécessaire pour faire un bagage avancé. Par exemple, le premier ministre Ariel, il va faire plus fort monde, même si vous n'avez pas dit comme ça, il faut l'aller. Mais, mettez-vous d'accord sur qui est-ce qui vous venez. Et qui j'en pour faire aller, qui j'en pour faire venir. Parce que le problème, PM Ariel Henry, c'est vraiment un premier ministre d'exception. Exception veut dire pas un parlement, pas un président. Son pouvoir inédit, ou gagne là. Ou pas même gagne Jean. Institutionnellement pour faire l'aller. Parce que normalement, qui j'en pourtant faire l'aller, c'est parlement par un parlement pour évoquer, etc. C'est deux gens qui ont évoqué, soit créer un carreau, soit volontairement l'aller. Vous comprenez? Et volontairement? Non, mais, qu'on y ait non-négociation, faut tenir compte de paramètres, ça. Son paramètre important. Parce que, à la vérité, la source du pouvoir, ce sont les étrangers qui sont à la fois médiateurs et protagonistes. C'est un élément crise là. La communauté internationale. Ils sont médiateurs et protagonistes, tout. Ça nous est les juges et partis. Hein? Bon, quand on est en politique, chaque mot, on ne dit pas protagoniste, on ne dit pas partisan. Parce que si je dis aux partisans, ils ont l'autre connotation. Ils sont protagonistes dans le sens que, gain décision, c'est eux qui prennent. Gain position, c'est eux qui maintenir. Gain position, c'est eux qui contester. Et ils ont autorité pour eux faire. Ça, c'est parti. Je vais essayer de comprendre tout ça. Il a dit, au cas d'une position d'autorité, par exemple. Ou une position d'autorité, que M. Widmayer, il dit, je ne sais pas, allure et émission ça. Mais comme moi-même, je ne vais pas travailler avec lui, parce que c'est mon lot. Les gens doivent chercher un gens, lui faire mettre une pause depuis le lodo, mon cher des Augustes, changer allure émission. C'est ça, il est. Alors, je ne suis pas capable, pour exemple, qui n'est pas trop adapté. Mais même si gain respect la parole dans métropole gain droit gon ton gon bagay k'ap di gon langage etc. Gon écart faut gain au cadrage la communauté internationale li pa innocent dans crise là et c'est une raison que fait pas le venir militairement parce que yo pas veut entrer yo pas sortir puisque yo fait expérience pendant un siècle déjà de 1915 y a venir fait tout venir bagay comme ça. Problème dans le réseau dont Timouban retourner encore. Et vous estimez que ça va te marcher bien? Vous avez évalué parce que vous avez un archive, vous avez un dossier, etc. Qui fait nous-mêmes, il faut tenir compte de cette crise-là. Crise-là, c'est contradiction qui gagne entre les acteurs de toutes sortes. Crise-là, c'est calamité
précarité population, parce que à la vérité, il n'a pas parlé de crise, il n'a pas parlé de pouvoir. Le pouvoir pour faire quoi? Parce que moi-même, je suis parti en position pour Mali Jamaïque, et bien content de partir en position pour Mali, dirigeant de parti. Je n'ai pas aucune qualité pour me là. Je suis bien content de tout. Et, parce que je ne sais pas si je suis obligé d'aller tout ou bien pas aller, parce que des fois, il y a des choses qu'on fait pour des raisons qui ne sont pas forcément rencontrer adhésion, il y a des analyses qu'on est capable de faire, environnement, etc. Bref. Mais, l'aime garder des bagailles là bien. Nous, tu as pour négocier Christa. Négocier quoi? Principale préoccupation, peuple haïtien, je dis, c'est l'insécurité. Qui moun nan moun qui était dans la réunion Jamaïque, qui a signé un papier pour dire l'aile tourne en Haïti, l'a mette poil dans la balance là pour problème insécurité à suspendre? Personne, même pas le gouvernement. Qui fait gagner des côtés, faut nous transcender. Alors, moi, je pense que pré-accord, nous avons fait, nous avons mis un accord sous lui. Au-delà des circonstances que Ariel Premier ministre, que le Premier ministre. Par exemple, la question de la protection civile. Tremblement de terre. Nous avons trois coups, nous prenons l'un derrière l'autre. Nous prenons inondation. Nous prenons tremblement de terre. Nous prenons incendie. Marché qui boulait Delma. Ça montait vulnérabilité pays sous plan civil. Eh bien, qui message nous avons? Puisque nous avons une démobilisation, nous avons une méfiance de la population par rapport aux politiques. Nous sommes capables, même du point de vue stratégique, faire une entente pour dire entre les politiques, nous avons tendance pour dénigrer tout, à tort ou à raison. On nous ouais si gen bagay n'a fait qui répond à préoccupation population sans condition politique protection civile par exemple les gen victimes tout le monde pote coller moi même si tu as une contribution je ben par contre qu'est-ce que m'baille tu as dit protection civile ben sécurité pour porter là etc. et moi même grand pile la peine 10 jours après inondation Léogan l'état pour corriver l'état pour corriver parce que il y a une bonne bagaille, pas une route. Bon, c'est un bagaille qui fait la peine. Alors, il y a une route, mais il n'y a pas de monde qui passe. Oui, mais alors, bon, pour ne pas avoir route. Donc, pas une route. Pas gain, pas, on ne peut pas créer un couloir humanitaire. Je parle à quelqu'un qui dit oui, et il a utilisé l'armée, etc. Bon, c'est non-sens. Oui, nous avons utilisé l'armée, mais l'armée. Sous qu'on les organes, c'est une grosse commune dans le pays, qui a au moins 13 sections communales. Il y a une frontière jusqu'à Jacmel. Lorsqu'on met des bagailles, ça ira. Côté la mer ailleurs. Qui joue à porter le bas population? On fait tout le monde venir sous port pour porter là. C'est-à-dire qu'il faut un couloir qui passe. Cette histoire de bandits qui est matissant depuis 2 ans. Comment pour la population faire confiance dans la politique? C'est-à-dire, comment pour faire confiance dans le gouvernement, comment faire confiance dans l'opposition? Parce que ce n'est pas un problème, ça. Il y a qu'à discuter. C'est-à-dire, d'accord, que vous êtes capable de jouer un accord sur, ne pas dire gouvernance de manière générale, mais sur, s'il faut que nous ayons un exécutif, un tête, etc. Mais vous êtes capable de jouer, par exemple, sur la sécurité. Question sécuritaire, la question priorité. Même si c'est aspect là-dedans, même si c'est des aspects là-dedans, parce que quand vous les bandits, pas aucun problème qui est facile pour résoudre en Haïti. Bah, elle a pourri. Parce que son bail qui m'a connu avec crise démographique, crise économique, crise idéologique, crise politique, tout m'a connu ensemble. C'est-à-dire que si on m'a dit aujourd'hui, il y a une solution facile, mais il y a une solution si il y a une stratégie et tactique appropriée. Parce que c'est mon nouillé et gen mon intelligent. Et puis, le problème qui passe à Haïti, ce n'est pas Haïti seulement que vous passez déjà. Chaque jour passé, nous pas apporter solution, la vie plus grave. Mais ça crive dans le sommet ça. Chaque parti est retourné avec presque position. Bon côté, il y a un collège présidentiel qui est proposé avec le Premier ministre, avec un Premier ministre, peut-être avec ou sans le Premier ministre actuel. Il y a la structure en dedans, qui était en forme de sur les oppositions modérées ou pas, qui était en face à l'accord 21 décembre. L'accord 21 décembre retournait
n'a parlé là du gouvernement, avec presque sa même position, élection, rétablissement de sécurité dans le pays, dans le discours du Premier ministre, il rappelait ça, réforme constitutionnelle. C'est comme si nous avons l'impression, M. Evanspol, que nous à peine au début d'une nouvelle page de crise totale et globale ça que le pays a traversé. Tout pour ça, élection, réforme constitutionnelle, rétablissement de sécurité, ou même comme on voit avec une opposition qui fait rien envenimer la crise là. Eh bien, le problème, là, c'est joindre qui stratégie de négociation pour nous sortir. Parce que nous ne pouvons pas résoudre tout problème sur une table de négociation. C'est là qu'on t'a dit, le football haïtien campé depuis quelques temps. Le football haïtien campé parce que il y a une crise dans la fédération. Mais maintenant, ou pas qu'après un couple là pour bailler une équipe li, si le football va jouer. Qui fait premier bagage pour nous résoudre, c'est régler la question de la fédération. C'est-à-dire que et le consensus, c'est une démarche politique qui n'est pas forcément démocratique. Parce que nous n'avons pas qu'à régler tout le bagage dans le consensus. Moi-même, je parle de vivre ensemble. Mais vivre ensemble, je ne veux pas dire nous tout à fait même bagage. Nous tous d'accord sur le même bagage. Vivre ensemble, je dis, l'aime sous boulevard Delmar. Moi, je dois passer, mouton, l'autre a passé, descendre. Tout le monde dans la route, tout le monde vient une route pour circuler. Il respecte le droit de l'autre pour circuler. Nous tous respectons le principe de circulation. Nous vivons ensemble sur la route là. Nous vivons ensemble dans le pays. Nous respectons l'autre, nous tolérons l'autre, nous reconnaissons le droit de l'autre. Mais, question pour nous tous d'accord, il faut tout haïtien mettre tête ensemble. Dans le ciel seulement, on a ça. Comment tout haïtien met tête ensemble? Tout haïtien qui doit d'accord pour Haïti marcher. Mais nous mettre tête ensemble sur même bagaille, même l'heure. Non, c'est ça qui fait dans la dynamique démocratique gagner compétition. Démocratie c'est 50% plus 1. Qui fait gagner des barrières, on pas d'accord à tout discours pour ministre Ariel Henry, me trouver le petit Jean Arougam, bien content d'excuser par la suite parce que même bah m'a dit la question humilité, il faut toujours gagner, surtout lorsque c'est chef, il faut toujours qu'il y ait calme, même si on a attaqué. Mais il y a un aspect fondamental que nous vivons dans la crise là. Il y a une recherche de plus en plus de légitimité bon côté international là que bon côté peuple là. Il n'y a pas de connexion avec le peuple. C'est ça que fait Jamaïque. Moun yo suiv, que le passé bien, que le pas passé bien. Comme si Mdadou, c'est pas fait, pas yo. Puis ça fait pas gagner mobilisation. Me songe gouverneur Island t'a fait t'es gon attente de la population pour gon bagaille qui sorti même si ça t'est sorti a pas de respecté. On connaît nous même même si président Aristide pas de jambe bail avec général Cédras etc. C'était son autre histoire. Mais ça moi même moi pensais que gagner en crise de vision, de stratégie, de tactique. Et c'est ça qui ban nous ambiance d'instabilité chronique nous la donne. Par exemple, cette histoire de collège présidentiel. Moi je pense que c'est déplacer crise là. Ça veut dire déplacer crise là si on crée une présidence à 3 mon à 5 mon bloquer pays. Chaque décision pour prendre, il faut un consensus pour arrêter de sortir. On paye plein de problèmes. Pour un 5 personnes qui sont d'accord sur chaque bagaille. Difficilement pour ça marcher. Et 5 présidents. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont une référence. Conseil de gouvernement. Conseil de gouvernement. Mais ils ont un militaire président. En contexte là, mais sous pouvoir. Il y a des gens qui sont capables même de dire qu'ils ont l'autre référence en 1956, donc collégial, qui a 13 personnes. Mais elle n'a pas duré 2 mois. Côté un gouvernement collégial, côté chaque candidat à la présidence, François Duvalier, Louis Desjoie, Daniel Fillol, etc. Tout le monde met au monde dans le gouvernement. Nous faisons expérience ça déjà. Qui fait, si nous avons une lecture de l'histoire, nous avons cherché une solution qui paraît viable. Parce que moi-même, je n'ai pas de problème à personne. Je n'ai pas de que j'ai un problème avec lui personnellement, pas de place, j'ai besoin. Mais moi pensais que
si nous avons gardé les bagailles, si nous avons gardé dans le rétroviseur l'histoire, nous comprenons que aujourd'hui, même si nous avons dit qu'il y a nécessité d'un exécutif à deux têtes, c'est sa constitution, on dit, je n'ai pas de problème à approcher ça. Là. Mais si vous mettez trois ou cinq personnes dans le président de son pays, tant qu'il y a Haïti qui est déjà en crise, eh bien, c'est problème pire. Là, on va expliquer. C'est sorti dans la crise, tomber dans la crise, déplacer la crise là. On va expliquer, non, M. Evans Paul, que l'approche manque de pragmatisme. Ou bien conscience de la réalité. Dans la vie, la réalité sociopolitique là. Sauf à mon machine là, je suis dans la métropole, je suis dans la machine là, je dis, ah, je suis dans la machine ça là, pareil comme ça. Mais elle n'a pas de gaz. Vous mettez là. Vous dites, je suis dans la machine. Non seulement la machine n'a pas de gaz, bon, pas de gaz sur la machine là. Bon, bah dans vieux bon machine non oui. C'est même pas nous gain droit pour une solution et puis solution pas qu'à marcher dans le créer crise encore en dans appareil l'état. C'est ça que fait moi-même moi penser que faut crise la résoudre dans deux temps. Gain un aspect conjoncturel pour nous joindre comment pour nous résoudre affaire sécurité pour nous faire une élection, faut nous faire une élection côté peuple a décidé qui monde la bail mandat qui pour gérer et destiner les. Mais élection dans situation ça, M. Evans Paul, le Premier ministre qui annonce les. Je ne pas dans situation ça. Moi, parce que. Mais il faut créer conditions. Bon, je ne pas le dire. En pile, le monde pense que Haïti prend une humiliation. Mais puis, le monde dit ça, Ariel Henry, non, c'est Haïti, oui. Parce qu'il a agi au nom d'Haïti, le Conseil des ministres haïtiens fait une demande au Conseil de sécurité. Alors, la crise haïtienne est une dimension internationale. Et le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2653 qu'il n'a pas arrivé à appliquer tout. Ce Conseil de sécurité prend à cœur et c'est lui qui demande dans la coulisse. Fais-nous une demande. Après ça, il n'a pas fait aucun suivi. Même penser qu'il y a un problème fondamental d'interlocuteur. Si, nous te dit, au-delà de divergence qui gagne, n'a fond fond pour n'al bala blanc n'a fond fond pour n'al bala blanc et n'a mettre d'accord son plan national parce ça qu'on rivé pouvoir opposition pour nous dire mais qui coûte mais n'a tendre au nom de des Nations Unies au nom de résolution qui sorti nous pas mandé d'occupation mais nous mandé un accompagnement etc. mais comment nous exprimer les puis tout le monde. Je pense que si nous faisons ça, blanc, t'as saisi. Et le peuple a content, la baille, le monde qui fait politique, il y a plus d'importance. Parce que je dis, il y a une déconnexion entre les politiques et la population. Alors, maintenant, nous ne sommes pas capables de faire politique là, avancer si le peuple est à côté. Nous ne sommes pas capables de faire politique là, tout, avec la connexion internationale, qui n'est même pas maîtrisé la situation, qui veut courir pour lui, qui fatigue avec Haïti. Qui ça va passer dans le jour qui vient là pendant que la division vient pire limer dans le sens que vous sentez à travers le discours acteurs beaucoup plus colère, beaucoup plus d'animosité d'un côté, mais de notre côté, beaucoup plus de fermeté, de confiance dans sa position et autres. Chaque monde vient plus ferme et plus sévère dans la position. Qui ça va passer dans les jours qui viennent avec schéma ça ou climat ça ou tableau ça à peine là. Moi, je n'ai pas parlé avec eux en privé parce que moi-même, je ne peux pas créer aucune contradiction dans la société. Et avant la réunion, en fait, il y a un média qui est invité, me dit que je n'ai pas d'opinion. Ni avant la réunion, ni pendant la réunion. Parce que je ne voulais pas avoir d'opinion. Pour moi, je pense que c'est l'opinion pas maintenant qui gâte la bail. Parce que moi-même, malgré que je ne pas trouver de la côté pour le passer bien, même si je un miracle fait pour le pays, pour l'honneur du pays, pour le bonheur du peuple ici. Bon, il est passé comme ça, il n'y a pas de miracle dans la politique. Maintenant, je dis, pas de miracle tout. Parce que toute négociation pour parler, pour commencer à faire, il faut tenir compte de l'environnement politique, des enjeux politiques qui apportent quoi dans la négociation. Qui est-ce qui apporte ça? Est-ce que bon monde qui a porté, par exemple, au nom de l'implication de l'accord, Pétionville a sous contrôle? Bon bagay qui a fait dans Pétionville, soit sous plan social, soit sous plan politique, par exemple. Ça qui empêche nous faire un plan qu'on y a, bon,
m'a tout lancé li nan se viv pour chaque haïtien plante un pied bois chaque mois 24 juin pour venir là son occasion côté monde planter pied bois c'est une bonne occasion chaque haïtien plante un pied bois tout on a dit Jean Julie des jours qui soit dit chaque jour dans radio côté me temps planter pied non on, non moi sous pas qu'à planter faut monde planter le bois ou paye un petit cob grab un petit cob qui fait et puis ça a aidé bon problème réchauffement climatique là il y a un problème inondation qui fait des bagailles pour nous faire nous capable faire au-delà des rivalités politiques des questions qui ont rapport à l'environnement des questions qui ont rapport avec la sécurité pas même dit la sécurité publique qui dans mes exécutif là mais la sécurité civile menace tremblement de terre réchauffement climatique tsunami incendie nous capables bon gens nous connecter tout le monde qui docteur météo volontaire nous faire des listes si on mon camion dit camion nan si gen problème bah gen bagay nous ka faire et son appel moi c'est tout bay secteur privé bay tout le monde pour nous porter coller son pays qui à genoux et pour nous sortir faut que nous faire effort pour nous résoudre problème instabilité politique là m'a font référence là à un livre ambassadeur Daniel Suplice écrit qui sorti dans cette trois éditions qui relait la galerie des ministres de 1804 à 2023. Et Gracia qui écrit un bel prologue là-dedans. Mais ça qui est important, l'empire du temps, les livres là. On prend la période 86 là. De 1986 à nos jours, nous passons. Bon. 88, l'année pour le premier ministre, là. Nous sommes 29 premiers ministres. Nous sommes 36 ministres d'éducation nationale, 32 ministres agriculture, 41 ministres commerce, 45 ministres justice, 34 ministres finances, 36 ministres affaires étrangères, 42 ministres de l'intérieur. Bon, comment on va construire un pays dans l'instabilité, ça? Dans la chaise musicale, ça? On pensait, M. Ridmaier pour le monde, chaque matin, vient faire le point, la bonne résultat. Ce n'est pas même une question de talent, de capacité, de bon communicateur, non? L'adaptation. D'adaptation. Exact. Qui fait, si nous ne faisons pas un effort pour nous changer, bah, on a parlé de gouvernement coalition. Bon. Gouvernement coalition, gouvernement d'apaisement. Bon côté, c'est équipe qui peut jouer, équipe qui gagne légitimité. Parce que comment on est capable ou ap fait émission et puis moun ki nan régie ap font l'autre bagay et puis nous pas penser même gens nous pas même patron nous pas même vision nous pas même objectif li pap marché m gen vision pam de l'éducation et puis moun ki premier ministre gen vision pam faut gen une autorité qui tranche qui dit mais li nous praler au nom du pays. Et puis maintenant, il y a évalué sous mission rien. Alors, ma côté, M. Vanson, je vais essayer de comprendre tout, et c'est là qu'on a fini. C'est-à-dire, il faut qu'on respect, d'abord, des mots, des concepts politiques, respect politique, c'est-à-dire, même si je ne suis pas d'accord avec vous quelque part, mais vous êtes au pouvoir, il faut qu'on quitte au fini. Travail pour là, est-ce que c'est de ça qu'on a parlé? La sécurité politique. La sécurité politique lui implique tout, que le monde qui fait politique, là, il a un droit à tout. Il n'y a pas un droit à tout, il n'y a pas un droit à tout. Craser le caractère tout n'importe qui. Ça qui passe le président Jovenel Moïse là. Son pratique lié. Vous comprenez? Et faut bagaille ça. Et les suspendre pour créer route tout. Créer ambiance pour l'autre jeune. Tant qu'on entre dans la politique là. Parce que la politique là pas chasse garder. De monde, bah, qui disait un tel qui doit faire l'autre monde, pas qu'à faire. Mais si nous faisons paraître comme un jungle, n'a pas dit pour jeunesse santé, comment est-ce que vous là? Vous venez prendre tête là? Non bagay côté mon a manger mon a craser mon a bay menti sou mon a piéger mon ko nan pouvoir ko nan opposition l'aide ou dans mon qui bay une expression pa ka répéter ça te dit et de gens qualifier mon qui fait politique etc. Quoi que mon nan en politique tout alors vraiment pour nous finir c'est un cri de douleur et moi même son appel m'a lancé un appel à la raison à tout monde qui dans pays qui dans politique. Et pas même gagner raison pour la bataille entre nous. C'est joindre comment pour nous organiser une compétition démocratique qui pour gagner monde qui baille le peuple la légitimité. Mais en nous rentrer, re-rentrer le peuple dans le jeu de politique là. Et je finis par un hommage à. Est-ce que là, vous voulez parler d'élection, mais vous ne pouvez pas parler d'élection dans le contexte
Non, je ne peux pas parler d'élection dans le contexte ça, mais quitter le pays, il y a une transition interminable, tout. Non, incertitude politique, tout, il ne peut pas marcher, tout. Parce que transition sous transition, non, non, on côté nous, il faut suspendre. Ou on prend livre ambassadeur supplice là. On n'a qu'à prendre pile d'autres exemples. Il faut mettre stabilité dans le pays. Là. C'est ça qui permet de nous créer une ambiance économique, combattre l'inflation. Pour mon vivre, par un pile monde dans le pays, il y a besoin de président, il y a besoin de ministre, il y a besoin de vivre, vie citoyen, pour sortir, aller dans petit plaisir, là, mon jeune garçon, ou à l'cafou, ou pour un camionnette, ou à l'an, mais après, on tourne, ou à l'an, ou à descendre sous le champ de masse, à manger, sous le champ de masse, ou bien sous portail, tu as deux portails, portail de Ogan, portail Saint-Joseph, etc. Tout le bagage est bloqué, nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Alors, je vais finir un hommage à nos amis Jean-Michel Auguste, son ancien délégué des Gonaïves qui perdu la ville. Bon, deux morts, entre guillemets, naturelles, mais son cancer qui prend. Et son ami, c'est un ingénieur, un bon citoyen. Moi, un hommage à famille, à tous tes camarades qui sont touchés par perte et de gros patriotes. Ça. Jean-Michel Auguste, tout le monde connaît son nom, Tcholo. Et puis, excusez-moi si je me débarque de Richinia, parce que moi, vraiment, une souffrance énorme, et pas seulement, de ce qui a passé dans le pays, de ça nous espérer, de j'ai faim, nous fait tout. Parce que y a un sacrifice qui fait tout. Il y a tant dans sa vie, il y a des gens, mais il y a un sacrifice qui nous fait. Et je crois que ce n'est pas trop tard. Moi, impliqué dans plusieurs groupes de réflexion, dont avec des anciens premiers ministres. Tant que moi, pour garder par rapport à l'expérience nous fait, l'expérience que l'autre monde fait, qui ça a fait comme proposition, et puis suspendre le peuple à faux espoir. Nous ne sommes pas obligés de paraître sur la place publique pour nous dire nous allons faire tel bagaille. Réfléchir, faire, moi-même, t'as proposé, rencontre qui pourra le faire, faire une porte fermée. Là, nous avons un résultat, nous avons annoncé le peuple le résultat. Merci beaucoup, M. Evans Paul. Ancien Premier ministre, qui était là avec nous, nous t'avons fait un échange vraiment. C'est peut-être le format ça, on a essayé d'appliquer, expérimenter, pour que ce n'est pas un journaliste qui pensait qu'il y a des questions toutes faites, c'est-à-dire avec sévérité, pour être utile son mot, arrogance, qui a une belle leçon. Oui. Mais nous-mêmes, tout, c'est comme un citoyen, je dis, à qui peut-être a envie de comprendre, envie de connaître, qui s'agit de fait. Parce que souvent, il y a de ces résultats, c'est dans le calme, dans l'apaisement, pour. Vous êtes capable de trouver dans le respect, dans l'harmonie aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui se dit. Un mot dernier mot. Vraiment. DPM. DPM, c'est-à-dire dénoncer, proposer, mobiliser. Parce que nous sommes forts dans dénoncer, dénoncer. Nous ne proposons rien. Moi, je voulais dire, il faut que nous fassions un effort intellectuel. Nous dénonçons un bagage, faisons une proposition et puis mobiliser derrière ça ou proposer. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial, je dis tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Bye.